La HS-A26 de Steel est une cisaille légère et compacte qui combine une cisaille à gazon et un taille-buis sur batterie. Elle est équipée d'une lame taillée spécialement conçue pour tailler et entretenir des haies de petite taille à feuilles persistantes, ainsi que des arbustes d'ornement à petites feuilles. Bien équilibrée, son poids total de 1 kg seulement permet de l'utiliser facilement d'une seule main. Personnellement, j'ai opté pour cet outil pour tailler les buis et couper l'herbe en bord de mur ou autour des arbustes. Elle remplit parfaitement cette tâche. Elle est conditionnée dans un packaging classique. Cet emballage contient une trousse très bien conçue. Cette trousse contient la cisaille équipée de la lame coupe-herbe, de la lame taillée, de la batterie et de son chargeur, ainsi qu'un manuel d'utilisation. La batterie est une Steel AS2, compatible avec tous les outils AS System. Son autonomie, pour faire fonctionner la cisaille, est de 80 à 110 minutes selon l'usage. Comment bien utiliser la scie de jardin? S'équiper de gants et de lunettes de protection est essentiel. Après avoir ôté le protège-lame, insérez la batterie dans son logement et vérifiez le niveau de charge. La lame ne peut être actionnée qu'en poussant le bouton de déverrouillage vers l'avant et en appuyant simultanément sur la gâchette. Le moteur stoppe instantanément le mouvement de la lame dès que la pression sur la gâchette cesse. Coupez l'herbe ou le gazon au bord des murs. Autour des arbres. Ou bien le long des bordures est maintenant une tâche facile. Débrancher la batterie est primordial avant toute intervention sur la lame de coupe. Une petite brosse ou simplement un chiffon suffiront pour nettoyer la lame de coupe. Remettre le cache de protection de la lame avant de la déclipser en pinçant les boutons de clipsage. Clipser la lame taillée, ôter le cache de protection et réintroduire la batterie dans son logement. Le mini taillet est maintenant prêt à l'emploi. Tailler les massifs de buis, les façonner, en créant des formes selon ses goûts, se fait avec une grande facilité. De même que la taille des pousses de buissons, d'arbustes dans les haies, ou comme ici de bouquets de lavande. Toujours penser à débrancher la batterie avant de nettoyer et ranger la cisaille. Cet outil, par sa facilité d'emploi et sa légèreté, est vraiment utile, que ce soit au jardin ou autour de la maison. N'hésitez pas à visiter notre site bâtir-sa-maison.net ainsi que de vous abonner à notre chaîne YouTube.